plus beau rhinocéros du monde. Sans bout. Cette semaine, Portrait d'empreinte, consacré essentiellement à la vie des animaux sauvages, s'arrête sur un animal en voie de disparition, le rhinocéros blanc. Je m'appelle Virginie Maximilien, je suis soigneur. Je suis responsable de toute la partie africaine, ça veut dire girafes, éléphants, rhinocéros, plus les petites bêtes qui sont dans les terrains à côté des éléphants girafes. J'ai commencé ici il y a 4 ans. Je regarde derrière moi, excusez-moi, c'est pour voir où est Mickey. Mickey, c'est notre pensionnaire qui vient d'arriver il y a 2 mois. C'est le rhinocéros blanc. Il a 34 ans et il vient du zoo de Paignton en Angleterre. Donc Mickey, lui, il mange 3 bottes de foin par jour, plus du granulé, 4 kilos, plus pommes-carottes. Ça fait pas beaucoup, c'est vrai, il fait que 2,5 tonnes. Mais apparemment, ça lui suffit. Ça lui suffit. Là, il est un peu en colère en ce moment parce qu'on lui a ramené un autre copain qui est de l'autre côté, un autre mâle, Zoulou, qui lui a 35 ans, un tout petit peu plus vieux, et qui vient du zoo de Glasgow, en Écosse. Voilà, alors c'est tous les deux pareils, le même régime, mais bon, ils ne s'apprécient pas trop parce que c'est deux mâles et on attend deux petites femelles. Alors le caractère d'un rhinocéros, bon, ils sont pacifiques. Ils sont très pacifiques, il faut s'en méfier forcément parce qu'ils ont beaucoup de force. Et de temps en temps, il faut toujours bien leur parler parce qu'ils sont très myopes. À plus de 30 mètres, ils ne voient quasiment plus rien. Et c'est pour ça qu'ils prennent leur défense, la charge. Parce que sinon, si on parle ou quoi que ce soit, c'est très doux. C'est passif, ça vient. C'est pas comme le rhinocéros noir qui lui fonce et qui est un peu plus désagréable. Ah, Mickey, s'occuper de rhinocéros au sens propre, s'occuper, le nourrir et tout ça, c'est ni plus ni moins qu'une grosse vache. Voilà, c'est un herbivore commun. Sinon, après, ben, c'est juste comme il arrive vite comme ça, Mickey. C'est juste après, il faut connaître bien son caractère. Donc, il faut l'observer un petit moment et essayer de savoir ce qu'il pense au moment où, comme là, il est prêt. Sinon, non. Oui, c'est une grosse vache grise. Alors, la toilette des rhinocéros ne s'effectue pas. Dans certains zoos, ils les lavent. Mais bon, il faut de l'eau chaude parce qu'ils n'aiment pas la douche froide. C'est comme les éléphants, si on leur met une douche froide, c'est une punition. Donc, pas d'eau froide. En fait, c'est bien comment il est là, plein de boue. Car ça le protège des insectes et du soleil. Dans la nature, ils se le font aussi une grosse épaisseur de boue. C'est parce que leur peau, on dirait qu'elle est très dure, mais en fait, tout de suite, les insectes, ça les démange et c'est une fausse idée qu'on se fait. Si dans la nature, vous croisez un rhinocéros, il n'a pas habitude forcément des personnes. Et si en plus, c'est une femelle avec son bébé, là, vous y avez droit 100%. Mais si vous restez à votre place, que vous n'envahissez pas son cercle, on va dire, parce qu'ils ont un cercle autour d'eux, non, il n'y a pas de problème. C'est comme tout animal, il faut savoir les respecter et pas aller les embêter. Il est en voie de disparition à cause de sa corne, forcément, parce que dans la médecine chinoise, eh ben, paraît-il que c'est aphrodisiaque. Autant vous dire que sa corne, c'est de la kératine. De la kératine, c'est ni plus ni moins si vous coupiez vos cheveux et qu'on le mettait dans une substance. Alors voilà, ça se saurait depuis un moment si c'était le cas.